Hey, bienvenue pour la suite de White Knight avec ma flashlight. Alors, donc ouais, j'ai comptabilisé les votes du vote d'hier et c'était White Knight mais de pas beaucoup. Hein. Donc voilà, et j'ai vu aussi que il y avait des custom campaigns dans Cry of Fear. Et donc, faudra bientôt vous attendre à me voir jouer sur ces custom campagnes. Il y a une clé là qui flotte en l'air. Oh, je peux pas bouger. Oh, on va refermer un petit peu la porte. Je peux pas refermer la porte. Ah, bah, je peux pas aller là non plus. J'entends des bruits de pas. Mon écran est 100% noir. Je crois que j'ai du 10000. Oh. Oh merde! Oh! Sortons d'ici! Qu'est-ce qui se passe? La musique s'est hyper arrêtée d'un coup. Ah oui, j'ai chopé une clé. Bon. Donc je disais, Cry of Fear bidule truc. Ouais, donc je vais bientôt faire des custom campagnes Cry of Fear. Voilà. Enfin, il y en a surtout une. Oh, il y a celle-là. C'est pas hyper rassurant ici, il fait bleu dehors. Qu'est-ce que... Oh. J'ai peur. Ah, des toilettes. Oh. Bon, on va essayer d'économiser notre lampe. Ça diminue. Oh mon dieu, mais c'est quoi ces couloirs? Mais pourquoi tout s'ouvre? C'est chiant. Oh, serait-ce des piles? Oh, c'est quoi ça? Oh, des piles. C'est trop bien. Y'a rien d'autre ici par hasard? C'est vraiment lumineux ces trucs. Oh mon dieu, c'est... Oh mon dieu, une machine à écrire. Bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est... Oh mon dieu, attendez. Putain, ça pue l'énigme là. Dièse 1, 5. Ok. Oh, ah mais il y a un truc là. Ah mais c'est mieux. Il n'y a pas de light bubble, light bulb. Donc dièse 1,5. Je pense que ça doit être faire partie d'une énigme qu'on va découvrir par la suite. La chambre de jour. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce? C'est quoi ça? C'est des cartons?
pouvait tourner le truc. Non. Oula. Ah, il y a une note. Docteur Sophia. Mon dieu, ce truc est fermé, quoi. Oh non, je sens que la télévision va afficher des trucs... Des trucs pas rigolos. 3, 2. Oula, putain, attendez, faut que je commence à noter. Hein. Dièse. 1, 5. Dièse 3, 2. She doesn't novice, but I know it's a 4 digit. C'est un 4 chiffres. 4, voilà. Hop. Oh. Ouais, donc, j'ai déjà deux trucs. C'est cool parce que j'ai un mot de passe avant de savoir à quoi il va servir. Peut-être que ça ouvre ça. Bzz. C'est peut-être pour la télé. Télévision. Full installation. Bon, je suppose que les autres indices sont de l'autre côté dans ces autres portes. Puis il y a l'espèce d'escalier qui descend aussi que j'ai pas fait. Là, c'est fermé. Ah, oh, oh, ah, bah c'est ça. Ok. Oh, oh, oh. x0. Ok. Non. Ah, oui. Oh, oh merde. Oh merde, il y a un bonhomme là. Je m'attendais au bruit de l'huile. Blip. Plop. T'es moche. Tu pues. Patient progress report. As for the latest diagnosis, the patient has started to show signs of acknowledgement for a second personality. I still couldn't understand what may have caused this dissociative identity disorder and when the cause in question occurred, if there is one. The interesting thing is, while in a normal personality, as I've decided to call this for now, she acts like a completely normal person with a strong mind. Today I'd like to test what might trigger the second, sick personality with a little experiment. I asked her if she knew about this. She told me that she knew about the password. I asked what it was. Well, she told me... Que le deuxième était la moitié du 4, c'est ça? Oh putain, vas-y, j'espère qu'il a noté un peu. Last digit of the password is half. Ouais. C'est quoi du wash basin in the restroom? Donc je pense qu'on a notre mot de passe en entier. C'était la room d'avant, non? Que j'ai déjà été dedans. J'ai envie de voir ce qu'il y a en bas des escaliers quand même. Ah oui, je viens de là. Je me demande qu'est-ce qu'il y a ici. Oh mon dieu, ces portes viennent d'amnésie, c'est inacceptable. Je crois pas s'entrer du... J'ai un peu peur. Lol, tout ça pour ça. Ah! Oh mon dieu! Ok. Ok. Oh putain. Oh putain, en plus il ressemblait un peu à... au bonhomme de SCP... SCP-106 là. J'ai eu peur. J'ai vraiment cru qu'il y avait un endroit qui ne servait à rien. Alors, où est la restroom? Non, ça c'est la day room. First digit. Ah oui, merde, je suis con, je lis pas la bonne. The last digit of the password is half. Bon, bah, ça veut déjà dire que c'est un nombre pair. Ça s'appelle comment déjà le truc là? Wash bassin.
Que sont des wash bassins? Économisons la lampe. J'ai pas envie de revenir en arrière. Est-ce la restroom ici? Ça n'existe pas la restroom. C'est quoi des bassins? Pourquoi il y a des lits dans le Dr's Wing? Donc il n'est pas censé y avoir de malades. De toute façon, il y en a 6, hein. Ouais, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est 5. Donc, nous avons 5. Blablabla. 2. Et celui-là, c'est la moitié de celui-là. Ça peut être soit 1, soit 2. Soit 2, soit 4. Soit 3, soit 6. Donc voilà. Donc 5. Voilà. 4. Pardon, 6. 2. 3. Yay! Voilà. Et nous allons nous arrêter ici. Nous commencerons le prochain épisode en analysant cette pièce. Voilà. Donc rendez-vous au prochain épisode pour un nouvel épisode. Ça n'a pas de sens. À demain !